Célimène Godieu, la muse de Trois Bassins, possède désormais une sculpture à son effigie dans la cour du collège qui porte son nom. Cette figure féminine, poétesse, chanteuse et musicienne a été honorée ce 8 mars. Une esclave qui s'érige en femme libre et qui s'affranchit des normes d'une société dominée par les hommes. Tout un symbole pour les collégiens présents ce jour-là. À travers Célimène Godieu, nous voulons valoriser la femme réunionnaise, celle qui, malgré les difficultés de la vie de tous les jours, eh bien, se bat pour montrer au monde entier, à son quartier, à sa famille, que rien n'est impossible. Que même en partant avec des difficultés, des handicaps, eh bien, à force de courage, eh bien, on réussit. En plus du buste de Célimène, les élèves ont peint 13 portraits de femmes iconiques dans le cadre d'un projet initié par le département intitulé La Réunion, terre d'esclaves. Une galerie de portraits de figures féminines qui se sont battues dans divers domaines. On a choisi des femmes du monde entier qui ont marqué toutes les matières qui sont enseignées dans ce collège, donc en techno, en maths, en physique, chimie, en art, en sciences. Chaque groupe de profs a choisi, a débattu pour choisir une femme remarquable qui peut être le symbole de leur matière. Moi, personnellement, je suis un peu content et ému parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur l'égalité hommes et femmes. Et je trouve aussi que chacun de ces femmes ont vraiment une histoire touchante et ça m'a vraiment touchée. Pour clôturer la manifestation, une chanson écrite et mise en musique par Déborah Boyer a été interprétée pour rendre hommage à Célimène Godieu. C'est incroyable. Et puis c'est moins dur que hier, parce que hier on avait mal, c'est le début et tout. Là on commence à s'habituer, malgré l'altitude, mais ça va. Ouais. C'est incroyable le paysage autour de nous parce que c'est immense, c'est magnifique, c'est des trucs qu'on n'a jamais vu quoi. C'est nouveau. Et puis. Hier c'était plutôt compliqué la journée parce que on se mettait en route, on réveillait les muscles et tout, mais maintenant c'est chouette parce qu'on a un bon rythme, on est tous ensemble et on s'amuse. Depuis quelques fois, j'ai mal à l'épaule et du coup, le kiné m'a dit c'est une douleur musculaire. Et là, je me tiens de temps en temps et avec les sacs, ça fait un peu plus mal, du coup, je me fais masser. Ça fait du bien? Oui, mais elle me fait mal quand même masse. Et là, c'est que le début, il reste encore pas mal de jours pour marcher. Et là, on va monter encore plus haut, du coup, oui. Très important d'être bon physiquement. Ça commence à avoir des petits bobos, alors c'est beaucoup des douleurs d'épaule ou de dos, surtout à cause du port du sac. Là donc on arrive à la deuxième journée de marche effectivement, il y a aussi des petites douleurs de genoux, mais bon ce qui est bien c'est que pour l'instant il n'y a pas de blessure, pas d'entorse, rien, donc ça c'est plutôt chouette. Alors les étirements, il faut en faire mais doucement parce que quand on a fait une grosse journée au niveau intensité musculaire, il y a quand même des petites lésions, donc faut pas non plus aller trop fort dans l'étirement, c'est vraiment gentiment pour se faire du bien.
Très mal à la tête, mais je suis fière d'être arrivée. Comment tu l'as vécu cette journée? Au début c'était tranquille, après j'ai commencé à avoir mal à la tête et du coup ça a commencé à être un peu énervant, mais après c'est passé, j'ai bu de l'eau et voilà. J'ai bien supporté, je trouve, et du coup c'est vrai que c'était fatigant, c'était long, mais je suis arrivée, c'est ça l'important. Tu es fière de toi? Oui, mais c'est vrai que c'était difficile à cause des montées et le temps de repos. Comment? Parce qu'il fallait vraiment pas enchaîner, mais trouver le bon rythme. Ouais. Et là, il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid. Là, le soleil va se coucher. Du coup, ouais, j'ai deux pulls. Il y a ça, plus la doudoune. Du coup, voilà. Mais franchement, ça va. J'ai un peu mal à la tête. Mais avec l'altitude, c'est vrai que c'est normal. Et franchement, c'est beau, c'est magnifique. Vraiment, il n'y a pas ça à La Réunion. C'est un autre paysage et pas mal, pas mal. C'était 7 ce lundi 4 avril à la Villa du Département à signer les conventions partenariales pour le développement du logement social à La Réunion et l'accompagnement des Réunionnais dans le cadre du projet Ecodom. Cette convention, elle est d'abord le symbole de l'unité des forces autour du logement. Avec le département, l'Union sociale Habitat Outre-mer, la CEDOM, Maurice Gironcel était à mes côtés, François Caillé était là, les associations d'usagers, et c'est l'expression, comme je l'ai dit, d'une solidarité à l'échelle du territoire de La Réunion. Nous voulons dire que lorsque nous sommes unis, nous avons plus de chances de réussir. Et c'est ça le sens de ce matin. Les différents acteurs ont évoqué la nécessité d'élaborer un projet réunionnais. Ce projet Réunion à La Réunion, ça, effectivement, il faut le faire avec ce qu'on appelle la conférence territoriale élargie. Qu'on mette autour de la table tous ceux et celles qui veulent travailler pour notre pays, pour le développement de notre pays. Les acteurs économiques, les syndicats, les associations, mais aussi bien sûr les politiques, les élus. Et qu'on sorte un projet enfin réunionnais et que quel que soit le président de la République en France, qu'on lui dise voilà notre projet réunionnais. On s'est entendu entre nous, nous vous demandons une loi de programme sur 10, 5, 10, 15, 15 ans pour faire face aux nombreux défis que nous avons à relever. Tout le temps c'est Paris qui décide pour nous, hein, plusieurs reprises, qui parle pour nous. Et or cette organisation permet aux Outre-mer de venir porter directement à eux et eux à nous. Et c'est eux qui vont être avec nos élus, etc., portés au niveau national et au niveau des ministères, c'est-à-dire des différents ministères de logement et aux différentes assemblées, c'est-à-dire Sénat et l'Assemblée nationale. Ça nous apparaît une bonne avancée pour que, enfin, il n'y a pas 50 interlocuteurs, on nous consulte avant, l'Outre-mer, et puis après, on porte.
La convention Ecodom a pour objectif de faire diminuer la charge locative des locataires à travers les économies d'énergie. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. Lorsqu'on change dans un immeuble, on change toutes les lampes, les vieilles lampes qui consomment beaucoup par des LED, vous diminuez la consommation d'électricité par 5 ou par 10. C'est juste impressionnant. Hein. Voilà un exemple, voilà le genre de choses qu'on va faire, justement permettre justement aux bailleurs de faire ce type de travaux, de façon à ce qu'à l'arrivée, les charges locatives des locataires baissent. C'est ça l'objectif. Tellement bien, le trek, il était vraiment magique. Vraiment, je me suis vraiment attachée aux porteurs. C'est vrai qu'on les connaissait pas. Et jamais j'aurais pensé venir faire un voyage et avoir cette complicité avec les porteurs. Ils nous demandaient tout le temps si on allait bien. C'était vraiment magique. Et ils étaient tellement gentils, adorables. Et je suis vraiment contente de ce voyage. C'est magnifique déjà. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'on était entouré de montagnes. On se sentait petit. Mais c'était tellement calme, c'était apaisant, on entendait les oiseaux, c'était magique. Et moi je pense que ce qui m'a marqué c'est le sommet qu'on a fait, 4400 mètres, c'est énorme. Moi je suis fière de tout le monde, de tout ce qu'on a pu accomplir pendant ce trek, franchement c'est magique. C'était beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées. Après, à la fin, c'était beaucoup de descentes, mais c'était très fatigant. Mais maintenant, c'est fini. Et le voyage est passé très vite. Les porteurs, je savais pas que ça existait. Et les ânes qui portent les sacs, les ânes comme ça dans la nature, les yaks, je connaissais pas que ça existait. Plein de choses. Franchement, je suis hyper contente d'être arrivée ici, mais ça annonce vraiment la fin du trek, presque la fin du voyage. Et je suis hyper triste de quitter tous ces gens merveilleux qu'on a rencontrés, tous ces visages qu'on a vus, que ce soit nos porteurs, nos sherpas, Dawa, Sonam. Je suis hyper triste de les quitter, mais bon, ça fait plaisir quand même de rentrer un peu à la maison, on va dire. Salut Maroni, prêt pour la découverte du jour ? Coucou mon cas ! Alors, qu'est-ce que ça monte à nous aujourd'hui ? Un dispositif super pratique pour les élèves et les étudiants porteurs de handicap. Grâce à cette aide du département, ils peuvent se rendre à leur cours en toute sérénité. Hâte de découvrir ça ! Si vous aussi cette aide vous intéresse, alors suivez-moi.
nous sommes ici à Saint-Gilles pour y rencontrer un jeune étudiant. Adrien est porteur de handicap depuis maintenant 10 ans. Grâce à l'aide du transport scolaire du département, il peut se rendre tous les jours à l'université du Tampon et suivre son cursus dans les meilleures conditions possibles. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors grâce au département, tu peux te rendre tous les jours à tes cours à la fac au Tampon. Explique-nous comment ça se passe. Alors tous les matins, j'ai mon chauffeur attitré qui passe me chercher à 6h45. Et après, ensuite, on se rend à la fac au Tampon. Donc du coup, on fait le trajet Saint-Gilles-Tampon. Et ça dure à peu près 45 minutes en fonction du trafic. Et ça fait combien de temps que tu utilises ce dispositif ? Ça va bientôt faire 10 ans. Au niveau des avantages supplémentaires que tu as grâce à cette aide au transport ? Ça permet à mes parents de plus penser à est-ce qu'il faut l'emmener, est-ce qu'ils ont la disponibilité ou pas. Et du coup, ça permet d'avoir une charge en moins. Très bien, merci Adrien. Merci à vous. Cette aide au transport scolaire n'est pas seulement destinée aux étudiants. Tous les élèves qui ne peuvent pas utiliser les réseaux publics sont éligibles. Le dispositif s'adapte aux contraintes et aux besoins de chaque famille. Bonjour Madame Méran. Bonjour. Alors quelles sont les démarches nécessaires pour obtenir cette aide du département ? Alors pour obtenir cette aide, il faut d'abord demander une notification de transport auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap et ensuite remplir un formulaire d'inscription pour inscrire son enfant dans notre dispositif. Et quel est l'objectif de ce dispositif ? Donc ce dispositif a deux objectifs. Un premier objectif où on va indemniser les familles qui souhaitent amener leur enfant avec leur propre véhicule ou les abonnements de transports scolaires et urbains. Et dans un deuxième temps, on met en place des transports avec des taxis et des véhicules aménagés. Ce transport adapté, de quelle manière est-il favorise l'inclusion et la scolarisation de ces élèves ? Donc pour les élèves qui utilisent le transport, on s'adapte au plus près de l'emploi du temps. Et d'une autre part, on favorise l'inclusion en accompagnant les élèves vers leur lieu de stage pour leur permettre une découverte du monde du travail. Merci Madame Méran. Merci beaucoup. Et grâce à ce dispositif de transport, les élèves et les étudiants porteurs de handicap peuvent poursuivre leur scolarité. Ils peuvent atteindre leurs objectifs, réaliser leurs rêves. Cette prise en charge individualisée et spécifique favorise leur inclusion à l'école et dans la société. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, comment se passent tes trajets au quotidien vers l'université du Tampon ? Eh bien, très bien. Le chauffeur est tout le temps à l'heure, super serviable. D'accord, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation et une belle réussite. Merci à vous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'aide au transport scolaire des élèves et étudiants handicapés, n'hésitez pas. Vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Le département des générations, c'est fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode ainsi que les précédents, rendez-vous sur nos sites et nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Dans le prochain épisode, je vous amène découvrir le pass transport. Grâce à ce dispositif, les personnes en situation de handicap peuvent payer un taxi pour faire ses courses ou pour se rendre chez le médecin. Ils peuvent ainsi se déplacer en toute autonomie.